Ancienne gloire de l'équipe de France de football avec qui il est devenu champion du monde en 1998, Vicente Lizarazu est désormais consultant pour les matchs des Bleus sur TF1. En juillet 2018, c'est lui qui a commenté, aux côtés de Grégoire Margoton, la victoire des hommes de Didier Deschamps à la Coupe du Monde en Russie. Basque très engagé pour la préservation de l'environnement, l'ancien défenseur de l'Olympique de Marseille est installé à Saint-Jean-de-Luz avec sa compagne, l'actrice et chanteuse Claire Keim. Dans le sud-ouest de la France, Vicente et sa chérie profitent de l'air pur et de la nature pour élever leur unique fille, Waina. Cette dernière est née en août 2008 et son prénom est typiquement basque puisqu'il signifie la vague. En novembre dernier, dans un entretien accordé à Téléstar, Vicente Lizarazu faisait de très rares confidences sur sa vie privée. On vit au Pays basque, on est entouré par la nature. Faire attention à notre environnement est juste du bon sens, expliquait-il notamment. Mais Waina n'est pas le seul enfant de l'ancien joueur de l'équipe de France. Son fils, Chimista, est installé à New York en effet, Vicente Lizarazu a eu différentes relations avant de rencontrer Claire Keim, en 2006. D'une de ces relations, est né, en 1995, un petit garçon, Chimista. Là encore, le champion du monde avait fait le choix d'un prénom typiquement basque puisque Chimista signe l'éclair. Aujourd'hui âgé de 25 ans, le seul fils de Vicente Lizarazu réside désormais à New York où il a créé son entreprise spécialisée dans l'alimentation biologique. Passionné de football et de surf comme son papa, il ne manque toutefois pas une occasion de revenir goûter aux vagues de la côte basque.